Bonne journée. Fille, mets ton masque. C'est un nouveau réflexe auquel les écoliers vont devoir s'habituer. Depuis ce matin, le masque est obligatoire à partir du CP. Au moment de rentrer en classe, si la mesure semble bien respectée, certains parents sont dubitatifs. Je ne suis pas sûre que ce soit très utile et qu'ils arrivent à respecter vraiment, ne pas toucher, ne pas l'enlever. Ça risque d'être compliqué. Je sais que ça va être super pénible pour eux. Déjà ce matin, elle avait de la buée sur les lunettes, donc... Ça risque d'être compliqué en tout cas. Tout cela sûr, en tout cas, il va falloir du temps pour s'y habituer. On a acheté des jolis masques pour les enfants. Voilà. Après, c'est pas dit qu'ils vont les garder toute la journée, mais ils les ont en tout cas. On leur a expliqué tout simplement que le virus était présent, beaucoup plus que prévu, et que donc maintenant, par précaution, ils auraient eux aussi le masque, même si c'est pas chose facile. Toute une journée avec. Côté enseignant aussi, il va falloir faire preuve de pédagogie avec les élèves. La première fois que ces enfants vont avoir un masque, surtout pour ceux qui ont 6 ans. On a demandé aux professeurs de les accompagner au plus près de leurs difficultés. Et puis il faut que ça reste humain aussi. Hein. Donc si on abaisse légèrement le masque et que ça permet de garder ses lunettes et qu'il y voit quelque chose en classe, c'est quand même l'objectif. L'extension du port du masque à l'école est en tout cas loin de faire l'unanimité. Une pétition en ligne contre cette décision a déjà recueilli près de 150 000 signatures.